Et t'embrasser, je peux? Non, pas m'embrasser. Pourquoi pas? Parce que je suis morte. Et on n'embrasse pas les morts. Oh, il n'y aura plus jamais de paix dans ma terre, même si je devais me faire fusiller par les fascistes. Qu'est-ce que je raconte? Comment j'ai pu? Tu vois, tu me provoques. Qui te provoque? C'est toi tout seul, mon vieux. Mon lieutenant! Pour moi, ils ont annulé la représentation. Ça m'étonnerait beaucoup. Tes fringues? Où sont tes fringues? Là où veux-tu qu'elles soient? Dans une loge, en plus de cafard. Qu'est-ce que tu as fait avec le tract que les anarchistes de la CNT nous ont donné hier soir? Oh, toi, ce que tu peux me faire peur. Je l'ai utilisé hier soir au cabinet. Tu es sûr que tu ne l'avais pas dans ta poche ce matin quand ils nous ont arrêtés? Mais tu me prends pour une dégueulasse, hein? Mais pourquoi t'as fait ça, mon Dieu? Pourquoi? Qu'est-ce que tu m'as à foutre du crapaud, de la chanson, de la musique, de tout ce... du spectacle, de cette maudite guerre? Tu pouvais pas tranquillement terminer ton numéro et pas ça? Qu'est-ce qui t'a pris de faire la fière, de les braver, de leur tenir tête? Ne crie pas! Eh? C'est vrai ce qu'il dit, lieutenant? Entre-toi. Les miliciens qu'ils ont fait prisonniers, ils vont les amener ici pour nous voir et demain, ils seront fusillés? Oui, mais écoute-moi bien, mon vieux. Le numéro du drapeau, je ne le fais pas. Voilà, comme ça tu sais. Le numéro du drapeau républicain, j'ai pas envie de le faire. C'est pas assez, les fusillés, pauvres gars. Faut encore les faire enrager avec le drapeau. Un ejército de lejos, para la rumba, una noche.